Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Game Out. Donc Game Out, c'est la rubrique de la chaîne qui parle de tout sauf de jeux vidéo. Et pour cette troisième vidéo, je vais vous parler en fait de livres et même de livres qui traitent d'un sujet dont on parle pas assez souvent, en tout cas qui est pas assez souvent mis en avant, qui est l'autisme. Et plus particulièrement dans le cas des deux livres dont je vais vous parler, l'autisme en fait dit du syndrome Asperger. Donc voilà, donc ce sont deux livres, une bande dessinée et un récit témoignage qui ont été écrits par la même auteure, à savoir Julie Dachet, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui est docteur en psychologie sociale et qui justement est une jeune femme qui est autiste, dit Asperger. Donc avant en fait de rentrer un petit peu plus au niveau des deux ouvrages que j'avais envie de vous présenter, donc très rapidement sur l'autisme, alors je ne vais pas vous faire un cours sur l'autisme, vous pouvez faire des recherches sur internet. Justement Julie Dachet en fait est une jeune femme qui a aussi une chaîne en fait YouTube sur laquelle elle explique ce qu'est l'autisme, et un de ses grands chevals de bataille en fait c'est de dire, surtout en ce qui concerne l'autisme Asperger, qui est en fait une forme de l'autisme où en fait il n'y a pas de déficience mentale et ni de retard sur en fait sur la parole, c'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent communiquer sans aucun problème. Donc en fait un de ses grands chevals de bataille c'est de dire que justement c'est aux autistes de donner la parole et à eux de parler de ce qu'ils ressentent. Moi ici je vais vous parler en fait de ce que j'ai ressenti à la lecture, mais je ne suis pas autiste donc je peux à peu près percevoir ce que c'est, mais je ne peux pas le savoir et j'aurais pas la prétention ni la légitimité en fait de pouvoir en parler pleinement. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est assez casse-gueule, parce que voilà, je ne l'étant pas, je peux pas en fait vraiment raconter ce que c'est et dire je comprends. Non, je ne peux pas comprendre. Et ça serait vraiment en fait, comme je vous dis, prétentieux et stupide de dire que je le comprends. Toujours est-il en fait que donc Julie Dachet sur sa chaîne YouTube, elle parle vraiment de ce que c'est justement l'autisme et l'autisme Asperger. C'est une chaîne que je mettrai en description de la vidéo qui est très intéressante. C'est des courtes vidéos qui permettent vraiment en fait d'en savoir un peu plus. Après vous avez aussi des sites spécialisés, donc n'hésitez pas à les regarder là-dessus. Et dans les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, de toute manière c'est aussi expliqué. Elle donne aussi sa vision en fait de l'autisme et de l'autisme Asperger. Donc rapidement, un truc quand même qu'il faut savoir, c'est que l'autisme n'est pas une maladie. Ça c'est un problème, surtout en France d'ailleurs, on a souvent ce réflexe-là de penser que c'est une maladie, c'est quelque chose de psychologique, un trouble psychologique. C'est pas du tout le cas en fait. L'autisme c'est pour des raisons souvent ce qu'on appelle donc neurodéveloppemental, donc c'est-à-dire en fait génétique ou neurobiologique, et donc voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on attrape et dont on peut guérir, ça n'est pas une maladie. En fait on est autiste, on vit autiste et on meurt autiste, et en fait l'autisme voilà, ça c'est quelque chose qui même qu'on peut pas trop classifier. C'est pour ça qu'en fait maintenant on appelle ça les TSA, les troubles en fait du spectre de l'autisme, parce qu'en fait c'est très très large et il y a autant de formes d'autisme en fait que de personnes autistes, et même pour chaque personne autiste sa condition d'autiste en fait peut évoluer en fait, peut croître, décroître en fait tout au long de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier et qui n'est certainement pas une maladie, et qui a malheureusement souvent, et en France c'est le cas, où c'est un pays où on a eu souvent tendance justement à traiter l'autisme comme un trouble psychologique et donc à mettre dans des cases, et c'est une grande erreur. Donc là aussi c'est un cheval de bataille de Julie Dachet, et je vous en parlais de suite dans les deux livres justement qu'elle a écrit. Donc la première c'est une bande dessinée qui s'appelle en fait La différence invisible, et qui est donc une sorte de bande dessinée un peu autofiction où elle raconte l'histoire en fait d'une jeune femme, Marguerite, qui a du mal en fait à être intégrée dans la société. En fait c'est pas qu'elle a du mal elle à s'intégrer dans la société, c'est que c'est la société qui a du mal à l'intégrer, et ça c'est un truc très important qui va revenir dans les ouvrages de Julie Dachet et même dans ce que en fait ce qu'expliquent souvent les personnes autistes, donc souvent autistes Asperger, c'est que justement en fait limite la société demande à ce que les gens s'intègrent, alors qu'à de manière générale ce serait plutôt en fait à la société de faire l'effort d'intégrer les gens en fait. Souvent on a le réflexe pour tout de vouloir mettre les personnes dans les cases et donc de vouloir les faire rentrer,
en fait, donc de les modeler pour qu'ils rentrent dans une case, alors qu'en fait non, c'est pas aux personnes de se modeler, c'est à la société, elle, de se distendre et de se modeler, d'être beaucoup plus fluide, d'avoir des frontières, même pas de frontières, d'être pour eux, pour pouvoir englober et accepter tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, et ça ne le fait malheureusement pas. Et on retrouve de la stigmatisation pour beaucoup, sur beaucoup de personnes, notamment les personnes autistes. Et donc dans La Différence Invisible, c'est ça, on suit en fait, c'est la vie de Marguerite qui a du mal au boulot à s'intégrer, à être intégrée. Et la manière dont c'est raconté, c'est très intelligent. Donc en fait, ça va être un peu un réveil à son identité profonde, en fait, puisque donc c'est une personne qui va découvrir au fur et à mesure que en fait elle est autiste, autiste Asperger. Donc on suit en fait un peu cette découverte, cette redécouverte d'elle-même et cette manière en fait d'accepter et surtout d'être soulagée de savoir qu'est-ce qu'elle est en fait, parce que finalement c'est ça, il y a une stigmatisation en fait de la différence, et ce qui est assez dramatique. Et ça, c'est très très bien mis en valeur dans la bande dessinée. C'est une bande dessinée en fait, donc elle a écrite Julie Daché, qui a été dessinée par Mademoiselle Caroline. Et donc le fond et la forme se marient super bien dans cette bande dessinée. Donc on a l'histoire qui est racontée. Et aussi dans la forme, on va avoir par exemple au niveau des dessins, surtout des couleurs. Par exemple, quand Marguerite est dans la vie tous les jours, ça sera des tons de gris, noir, parce que c'est quelque chose de très pesant pour elle. Et tout ce qui va être en fait les choses qui viennent de la blesser, la heurter, ça va être sur des tons de rouge très criard, que ce soit les paroles des gens qui peuvent être très dérangeants, que ce soit aussi la façon dont il la regarde, dont il parle. Et donc voilà, il y a un jeu sur les couleurs. Et sur même les polices de texte, en fait, quand ils parlent, les polices de texte qui sont assez agressives, qui font limite mal aux yeux, et ça met le lecteur justement pas dans la peau de ce que vit Marguerite. Comme je vous dis, c'est un truc qu'on ne pourra pas savoir, du moins pour les personnes qui ne sont pas autistes, puisque pour revenir rapidement, en fait, les autistes, puisqu'on veut mettre les gens dans toutes les cases, sont des gens qu'on va dire atypiques, qui ne font pas partie en fait de la typologie, on va dire normale, sauf que la normalité ne veut rien dire. Et je parlerai plus tard de la remise en cause de la normalité qui. La normalité, c'est un concept qui est assez aberrant quand on y réfléchit bien. Et donc après, les gens qu'on dit normaux, je mets vraiment des guillemets, c'est ce qu'on appellera les neurotypiques. Et donc elle nous met vraiment elle nous fait revivre ça par le biais du chemin du dessin, des couleurs. Et plus le personnage de Marguerite va justement apprendre à se découvrir, à voir en fait que effectivement pourquoi elle est différente, parce justement elle est touchée par une forme d'autisme. Donc l'autisme Asperger, et donc les couleurs vont s'atténuer. Déjà quand elle est dans son appartement où elle se sent plus en sécurité, les couleurs sont plus douces, et les couleurs d'ailleurs vont se multiplier et être plus douces au fur et à mesure qu'elle va s'ouvrir au monde, et surtout que le monde en fait finalement va s'ouvrir aussi à elle. Et donc c'est vraiment très intéressant, et donc la manière dont elle va rencontrer les gens, et puis ça permet aussi de voir les comportements qu'on a tous, enfin quand je dis nous tous, par exemple c'est les neurotypiques puisqu'il s'agit de ça, et qu'on a par rapport justement à des personnes autistes, et c'est justement, ça fait tomber aussi des clichés qu'on a et qu'on a tous. Moi le premier, quand je lisais la bande dessinée, je me disais ben tiens, moi ça m'arriverait exactement de faire cette réflexion que je juge complètement stupide, parce que maintenant je suis plus sensibilisé, mais c'est quelque chose que j'ai pu faire. Et ça, il faut l'accepter, il faut l'assumer aussi. C'est la meilleure, assumer en fait les erreurs qu'on fait, c'est le meilleur moyen aussi de pouvoir après justement mieux vivre avec les autres en fait. Et donc voilà, donc c'est une bande dessinée qui est très intelligente, qui est à la fois touchante, qui est drôle par endroits, qui est vraiment bien écrite, qui se marie très bien fond et forme. Et à la fin de cette bande dessinée là, je vous avais justement une sorte de petit appendice qui explique aussi un petit peu ce qu'est l'autisme Asperger. Donc j'ai employé le mot Asperger. En fait, ça vient d'un professeur, d'un chercheur hein, dans les années 40, qui s'appelait Hans Asperger, qui était autrichien, et donc qui était le premier justement à pointer en fait justement cette forme d'autisme-là, même si même l'autisme à l'époque c'était quelque chose de tout nouveau, puisque parallèlement, une autre forme d'autisme dite de Kanner va être aussi à peu près les recherches vont commencer à ce moment-là aussi. Donc voilà, donc on apprend plein de choses, et c'est vraiment très intéressant ce mélange de fiction, de pédagogie qui appelle à la réflexion. Et comme je vous dis, fond et forme, tout se marie super bien, c'est très intéressant. Donc c'est paru aux éditions Delcourt en 2016, et deux ans plus tard, donc là en mars 2018 chez Marabout, Julie Daché a fait cette fois-ci un récit qui est à la fois donc, une sorte d'auto-fiction, mais aussi de témoignages, de collecte de témoignages, puisqu'elle faisait en fait une thèse justement en psychologie sociale. Donc elle a profité aussi pour rencontrer des personnes qui étaient autistes Asperger, parce que j'en ai pas encore parlé, mais cette notion de invisibilité, donc invisible, la différence invisible, c'est justement parce que les autistes Asperger, comme ils n'ont pas de déficience mentale, quelque part ça ne se voit pas
en fait. Donc c'est ce quoi. En fait, ils ont un syndrome, donc des troubles ou des conditions. D'ailleurs, ils préfèrent maintenant dire plutôt que trouble, c'est la condition du spectre de l'autisme, en fait. Et donc voilà. Et donc comme ça, se voit pas forcément. Ben forcément, ils sont invisibilisés, en fait. Et ça, c'est assez dramatique dans la société, en fait. Il y a le côté stigmatisation, mais être invisibilisé, c'est une manière de stigmatiser aussi ou de mettre au banc et de pas avoir l'impression, en fait, d'accepter les choses. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent, nous, en fait. Soit on va stigmatiser les personnes, soit on va faire comme si elles n'existaient pas. Et c'est un réflexe qu'on a, et ça, c'est pareil, c'est assez dramatique. Et donc c'est ça, en fait, cette notion d'invisibilité. Et donc parce que c'est l'autisme Asperger, ben ça se voit pas tout le temps. Nous, on a le cliché, en fait, et c'est le livre de Julie Dachy qui s'appelle Dans ta bulle. Justement, c'est ça, c'est aussi nous parler à nous. Alors c'est donner la parole, c'est utiliser donner la parole aux autistes. Parce que voilà, les autistes Asperger peuvent parler, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est eux qui savent, en fait. C'est eux qui le vivent, c'est eux qui savent, c'est pas nous. Nous, quand je dis nous, je reviens toujours sur les neurotypiques. Et donc en fait, c'est donner la parole, donc c'est pour ça qu'il va y avoir des témoignages de 4 personnes qui sont autistes Asperger et qui vont d'ailleurs se recouper les témoignages, et qu'il y a tout un pan des personnes autistes qui ne sont pas diagnostiquées autistes, en fait. Souvent justement, comme ils n'ont pas de déficience mentale, ils parlent, souvent on va dire ah, ben, il est dans la lune ou il est particulier, tout ça, ce qui peut arriver à certaines personnes, mais certaines sont autistes. Un point très important de ce livre-là, c'est justement que Julie Dachy va bien expliquer qui est très important, en fait, de diagnostiquer le plus tôt possible. Et on se rend compte qu'elle appelle ça, en fait, une sorte de génération un peu sacrifiée, perdue, qui fait que beaucoup de personnes qui maintenant ont la trentaine, 40 ans, 50 ans, n'ont pas été diagnostiquées ou ont été diagnostiquées très tard, et donc pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de mal à vivre, en fait, et à s'intégrer et à ne pas savoir comment se positionner. Et ces témoignages-là sont très intéressants à lire, sont très touchants, et à la fois touchant et en même temps sont dans l'envie de se révolter, en fait, et permettre une prise de conscience. Et la manière dont Julie Dachy, en fait, écrit ces témoignages-là, elle a une écriture qui est vraiment qui s'adapte à chaque personne, donc il y a 4 personnes différentes, qui parlent. Et c'est très intéressant, d'autant plus que d'autres chapitres du livre, on va suivre justement différentes réflexions que Julie Dachy a, en fait, par rapport à l'autisme, l'autisme Asperger, et surtout par rapport à la société, et la façon dont elle va pathologiser, donc c'est-à-dire, en fait, que c'est une condition, c'est pas une maladie, pourtant la société, et surtout chez nous en France, va donner ce côté-là de vouloir que ce soit une pathologie, une maladie qu'il faut guérir, comme s'il y avait des cachets miracles qui allaient guérir de l'autisme, alors que non, ce n'est pas une maladie, on ne pourra pas en guérir. Et donc voilà, donc elle a quelque chose qui est militant, qui est assez politique et qui est très intéressant, qui nous désarçonne en tant que lecteur. Elle n'hésite pas d'ailleurs à nous plonger dedans, en fait, vraiment, et à nous tutoyer, à nous questionner, et des fois assez vertement, et ce qui est une bonne chose, à nous mettre mal à l'aise pour que nous, on réfléchisse aussi. Et donc c'est un livre très intéressant, et donc là, le style, pour le coup, se fait plus vif, plus alerte, pas agressif, mais en tout cas incisif, et ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Et donc il y a ce mélange des deux dans le livre qui est vraiment passionnant, et c'est vraiment une lecture qui est, voilà, instructive, qui est passionnante, ça se lit très bien, très vite, ça permet vraiment de réfléchir, comme je vous disais, en fait, à ce concept de normalité. Et moi, plus ça va, plus je pense à ça, par le biais de ce livre-là, par le biais après de choses personnelles qui, moi, m'arrivent, et c'est pas le but de la vidéo, c'est pas que je parle de moi là, donc je n'en parlerai pas. Mais en tout cas, ça permet vraiment de réfléchir à cette histoire de normalité, la norme. Qu'est-ce que c'est la norme, en fait? On dit les gens sont normaux, mais par rapport à quoi? Les gens sont différents par rapport à quoi? Ce côté typique, atypique, mais pourquoi? Et en fait, voilà, ça permet vraiment de se questionner et de sensibiliser, aussi de verbaliser. On se rend compte que pas toutes les personnes, en fait, parce que c'est dur pour quelqu'un de dire qu'il est autiste Asperger, par exemple, parce que voilà, c'est faire comme un coming out, en fait. On parle de coming out, et là encore, c'est encore un autre sujet, en fait, les coming out par rapport à la sexualité. Mais en tout cas, voilà, c'est pas toujours facile, en fait, de le dire, parce qu'après on se dit j'étais invisible, donc ce qui était difficile à vivre, mais si j'en parle, après je vais être peut-être stigmatisé, parce qu'il y a toujours ce regard, la façon dont les gens nous regardent, en fait, et ce qui nous renvoie. Et donc ça, c'est très difficile à vivre. Mais on voit aussi dans le livre que beaucoup de personnes, quand elles apprennent, en fait, qu'elles sont autistes, c'est bien, en fait, surtout autistes Asperger, donc je le me répète à chaque fois, parce qu'il y a vraiment différents types d'autisme, en fait, pour toutes différentes personnes, et c'est vraiment quelque chose de crucial à comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression de me répéter, mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, qui est vraiment important. Et donc, en fait, on se rend compte que dans les témoignages, que pour beaucoup, ben, c'est aussi un soulagement de savoir, en fait, que, mais voilà, non, en fait, c'est pas que j'avais un problème ou pas, c'est que c'est, en fait, c'est ma condition, c'est ce que je suis. Et c'est pas un problème, en fait. Il y a pas de, y a, c'est pas un problème. Voilà, découvrir ce que l'on est profondément,
c'est effectivement il peut y avoir une part de soulagement et ça vaut pour toute personne. Et donc voilà, donc il y a cette espèce de confrontation entre les deux et avec cette société qui malheureusement n'accepte pas tout le temps ou qui a du mal justement à intégrer les personnes en fait, qui n'est pas aussi ouverte qu'on voudrait le croire en fait, et donc l'apparence déjà qu'elle donne en fait, non c'est pas forcément le cas. Ça revient aussi, il y a toute une notion là-dessus dans le livre, sur aussi donc le but de diagnostiquer très vite, le plus tôt possible. Julie Dachez a été elle diagnostiquée, puisque c'est un peu l'histoire qu'elle raconte dans la BD, assez tardivement, elle avait 27 ans, donc voilà, ça commençait déjà à durer. Maintenant les enfants en fait, c'est faire diagnostiquer le plus tôt c'est le mieux pour après être scolarisé. Il y a aussi toute une importance sur la scolarisation en fait, et justement intégrer les enfants justement auprès d'autres enfants et pas les institutionnaliser, c'est encore les mettre au banc. Et en plus on se rend compte que ça coûte plus cher, ça coûterait moins cher de former des gens, mais quand on voit justement les chiffres qu'il y a par rapport aux gens qui sont formés à accompagner les personnes autistes, c'est dramatiquement peu élevé. Et même si là le gouvernement en fait a lancé en 2018 justement le quatrième plan justement par rapport à l'autisme, le plan est ambitieux, mais d'après ce qu'on peut en lire, est-ce que les ressources qui vont être allouées seront suffisantes? C'est pas dit. C'est pour ça que souvent des personnes vont aller dans des pays frontaliers comme la Belgique par exemple, qui est beaucoup plus développée que la France par rapport à ça. Donc ça on l'apprend dans le livre aussi, donc je vais pas tout raconter parce que je pense que le livre déjà, comme je vous ai dit, ben, il le raconte mieux que moi, parce que forcément l'auteur sait beaucoup mieux que moi. Moi je ne sais pas grand chose, je transmets juste. Et en tout cas voilà, c'est vraiment passionnant de découvrir tout ça. Ça permet vraiment de réfléchir à la fois sur ce qu'est l'autisme, donc je vous dis Asperger, dont on ne parle pas suffisamment, on a juste vraiment des clichés, par exemple on va penser dans les films à Rayman, ce genre de choses, ce genre d'autisme là, mais c'est pas forcément des génies, ou alors c'est pas forcément, pour ceux qui sont pas Asperger, des gens qui sont totalement débiles, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment sortir de ce carcan et de ces clichés qu'on a, et moi le premier que j'avais, plus je lis, moins j'en ai, mais ça veut pas dire que j'en ai pas encore, parce que ça serait là encore présenté de ma part de dire ça y est j'ai compris, non pas du tout, je pourrais jamais vraiment percevoir ce que c'est totalement, parce que je ne suis pas autiste, mais en tout cas ça permet vraiment de réfléchir à ce côté de société et de voir justement un petit peu comment ça fonctionne et comment en fait on peut justement mettre au banc ou pas des personnes sans s'en rendre compte. Et donc le plus important c'est d'être sensibilisé à ça, de s'en rendre compte et d'après justement agir en conséquence. Donc voilà, donc c'est je pense deux livres qui sont vraiment très intéressants à lire et qui en plus sont d'utilité vraiment publique, je le pense. Et donc voilà, donc c'est vraiment les deux livres que j'avais vraiment envie de mettre en avant aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à les prendre, La différence invisible, donc bande dessinée écrite par Julie Dachez et dessinée par Mademoiselle Caroline, c'est aux éditions Delcourt, paru donc en 2016. Ensuite, Dans ta bulle, c'est écrit donc par Julie Dachez aussi, c'est chez Marabout, c'est paru en 2018, donc c'est tout récent. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Julie Dachez, n'hésitez pas non plus à faire des recherches sur le sujet, il y a de plus en plus quand même de petits textes qu'on peut trouver, il y a des articles sur le Huffington Post par exemple, j'en mettrai peut-être quelques liens dans la description de cette vidéo-là. Et après vous avez justement des sites qui regroupent en fait vraiment plein d'infos, il y a aussi quelques films, alors les films c'est toujours plus difficile parce que c'est de la fiction, hein, mais il y a quelques films qui sont quand même assez intéressants, qui sont pas que Rain Man par exemple, il y a des documentaires, il y a plein de choses, de toute façon si vous lisez la bande dessinée, vous verrez, il y a toute une liste de bibliographiques, même de films ou de web documentaires. Donc voilà, donc c'est vraiment deux choses que j'avais vraiment envie de mettre en avant parce que ça m'a beaucoup touché et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, ça permet de se questionner, de remettre justement en perspective plein de choses qu'on pense comme normales ou acquises, mais justement normal ne veut pas dire grand chose. Donc voilà, donc c'était vraiment les deux livres dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour ce Game Out. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez vraiment pas, donc si vous voulez commenter, liker, disliker, vous abonner, faites ce que vous voulez, mais en tout cas pour le coup, à la limite je préférerais même plus que plutôt que vous abonner à ma chaîne, allez voir justement les vidéos de Julie Dachez, allez sur sa chaîne. Elle part aussi, d'ailleurs j'ai oublié, de ce qu'elle appelle la double peine, puisque les femmes qui sont autistes Asperger, elles sont encore plus invisibilisées que les hommes, parce que souvent on pense aux hommes ou aux garçons autistes, on pense moins aux filles, alors qu'il y a quand même, je crois que c'est le rapport, c'est un quart il me semble. Et donc voilà, donc elle parle aussi de cette double peine là, parce qu'en même temps il y a ce côté discriminant, voire même invisibilisant par rapport au genre, la femme, et aussi donc par rapport à l'autisme. Donc elle parle de ça aussi très bien, il y a tout un côté aussi sur le féminisme qui est très intéressant. Donc voilà, donc
N'hésitez pas à commenter si vous voulez, mais surtout, plus que tout, que likez, vous abonnez, allez sur sa chaîne, renseignez-vous, et puis après, peut-être, si vous voulez, qu'on peut en parler sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, ou là, en commentaire, ça sera avec plaisir. Donc voilà, donc je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et là, vous le savez pas parce que je suis en train de faire un montage, mais je sais pas du tout comment finir cette vidéo justement, parce que le sujet était vraiment tellement particulier que je vais pas vous dire geeker bien, ça serait un peu stupide. Donc voilà, donc juste merci et à bientôt. Ciao ciao.